Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Maintenant que les revêtements en pierre de la partie reconstruite de la maison sont terminés, on peut enfin s'attaquer au prochain grand chantier de cette rénovation, la dalle de sol intérieure, qui sera faite en chaux et chanvre. Avant d'arriver réellement à cette étape, il y a un peu de travail de préparation à faire. Cela car nos réseaux d'eau potable, d'électricité et d'évacuation des eaux usées seront coulés dans la dalle. Il faut donc tout mettre en place au préalable. On tient à préciser que nous ne sommes pas des professionnels et que ceci n'est pas une vidéo tutoriel. On commence par étendre un géotextile sur notre hérisson. Cela évitera au mélange chaux-chanvre de se mélanger au gravier. On débute ensuite par les évacuations d'eau usée. On vient donc placer chaque raccord de descente en correspondance avec les futurs éléments de la cuisine, de la salle de bain et des WC. On effectue un premier montage à blanc, ce qui nous permettra de faire quelques ajustements par la suite. Le réseau d'évacuation est divisé en deux voies, les eaux noires, des WC, qui vont directement jusqu'à notre système d'épuration, et les eaux grises, qui passent par un bac à graisse avant de rejoindre l'autre voie. On continue ensuite avec le réseau d'eau potable, qu'on a choisi de réaliser en tube multicouche. On a bien entendu fait attention de respecter les normes en vigueur en termes de diamètre. On a aussi fait le choix d'avoir une arrivée d'eau dédiée pour chaque élément. Le tout sera gérable depuis des nourrices et nous permettra d'isoler chaque circuit en cas de problème.
Ensuite, on met en place tout notre réseau électrique. On a pris soin de dessiner un plan pour chaque circuit, pour y voir plus clair. On place donc des gaines préfilées pour les circuits en 1,5 ou en 2,5 mm², en faisant attention encore une fois de bien respecter les normes en la matière. On fera bien entendu vérifier notre installation par un professionnel avant de la mettre en service. Et voilà, tous nos réseaux sont placés, et il y en a dans tous les sens. Pour bien se repérer, une fois que la dalle de sol recouvrira toutes les gaines, on prend soin d'étiqueter chaque circuit d'eau et surtout d'électricité.
Pour finir, on peut enfin en coller les tubes et raccords PVC du réseau d'évacuation. Pour cela, on commence par griffer les parties à coller avec du papier de verre. On vient ensuite les nettoyer avec un décapant avant de les coller avec une colle spéciale PVC. Une fois les tuyaux replacés, on ajuste les pentes des évacuations avec l'aide du laser pour obtenir une pente minimum de 2 cm par mètre. On effectue aussi un test d'étanchéité pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.